Wesh mes biches, bien au coin la patate, la bouillabaisse jusqu'au sourcil. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de l'Obscur Clan. Ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de vous parler, voilà, de vous faire la petite vidéo sur la chaîne de l'Obscur. Après les fêtes, on a bien mangé, on s'est bien gavé, vous avez eu j'espère les cadeaux que vous vouliez. Vous avez fait la teuf pour le réveillon. Mais maintenant place aux infos. Et aujourd'hui une info plus que croustillante, enfin une possibilité d'info. Je répète bien, une possibilité, rien n'est confirmé, c'est des rumeurs qui courent, mais je vais quand même vous en faire part. Sur ce fameux Black Ops 3, on a connu le mode Bob le bricoleur avec sa clé à molette. On a également connu le petit scout qui part avec son petit couteau papillon, le gros mafioso avec ses poids américains, et bien maintenant, une possibilité qu'on connaisse le mode Jack l'éventreur avec sa tronçonneuse. Je m'explique, une petite rumeur comme quoi il y avait une possibilité qu'en 2016, un nouveau DLC d'armes arrive avec à l'intérieur la tronçonneuse. Donc quand je vous dis DLC d'armes, pour vous compreniez bien, c'est exactement ce qui vient d'arriver. C'est la clé à molette, c'est le couteau papillon ou encore le poids américain. Et bien il se pourrait qu'en 2016 un nouveau DLC du même genre arrive. Du coup ben, pour avoir cette fameuse tronçonneuse, si jamais elle arrive, ça sera exactement comme la clé à molette. Ça sera dans le marché noir à l'aide des souple drops. En tout cas je sais pas vous réellement qu'est-ce que vous en pensez. Je sais pas si vous êtes plutôt chaud ou pas. Mais moi pour donner mon avis, ça m'intrigue énormément. Je me demande vraiment comment serait le jeu avec une tronçonneuse. Comment serait faite l'animation? Est-ce qu'on tronçonnerait le bonhomme en deux? On lui tronçonnerait un bras? Je me pose beaucoup de questions et je suis très curieux. En tout cas, pour ma part, je trouve que Treyarch gère bien le défi. Ils amènent de nouvelles armes, une nouvelle dynamique de jeu que j'apprécie fortement. Et j'espère vraiment qu'on va voir l'arrivée de cette tronçonneuse, parce que comme je vous l'ai dit, je me pose beaucoup de questions. En tout cas, vous n'hésitez pas à me mettre dans les spoilers. Information, eh ben, tu lâches ton like, ça fait toujours plaisir. N'hésite surtout pas à commenter ma biche, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner à l'Obscur Clan pour nous suivre. Pour suivre les prochains carnages ou les prochaines informations. Et puis moi je vous dis tchou les gars, c'était Neofrags. Allez kiss. Wesh mes biches, bien au coin la patate, la bouillabaisse jusqu'au sourcil. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle.